Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai voulu au début être une playlist et puis je me suis dit, c'est vrai que souvent je shazam des musiques et du coup ça me permet de vous donner pas une playlist du moment mais une liste de musiques que j'ai toujours aimé, que j'aime. Donc c'est parti pour la première playlist Shazam. Alors je vais commencer par Conte Partiro d'Andrea Bocelli, un chanteur que j'adore. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le connaissez peut-être parce que c'est un chanteur qui est réputé pour une très belle voix et qui a la particularité d'être aveugle. Il chante admirablement bien, ça me donne des frissons. Pour mon deuxième Shazam, c'est une chanson un peu plus récente qu'une de mes amies, je suis sûre que tu vas te reconnaître, m'a fait connaître dans une période où j'étais pas forcément très très bien et qui sincèrement aujourd'hui je trouve sonne très belle, Le Bonheur de Joyce Jonathan. La suivante est une chanson très très vieille, peut-être très kitsch, mais qui me rappelle le bon souvenir. Une musique que j'adore beaucoup, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, peut-être dans la version un peu française-anglaise. C'est Total Eclipse of the Heart et c'est Bonnie Tyler. Alors vous avez pu remarquer, hein, une chanson totalement en anglais comme ça, moi j'ai la version française-anglaise dans ma tête, donc j'ai du mal à me repérer dans les paroles, mais bon, c'est approximatif quoi. La suivante, c'est une chanson de Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. J'espère que vous voyez, vous n'avez pas les reflets, hein. Si vous ne voyez pas, je suis désolée. Alors la suivante est aussi très vieille, j'étais au collège à ce moment-là, c'est une chanson de Élodie Frégé pour ceux qui connaissent et Michal, qui vient jusqu'à moi, cette chanson me donne des frissons, pourtant j'étais pas fan de ces saisons-là, à l'époque on regardait tous la Star Academy, j'en étais pas fan, mais cette musique est juste magnifique. Je veux pas une cover, mais c'est impossible à trouver en fait. Ah. Peut-être celle-là. Bah voilà, cette vidéo n'est pas disponible. Oh, je suis trop désolée. Je suis vraiment désolée. Bah, je vais vous mettre une autre version, mais pas une cover. Elle chantera quand même, mais je suis dégoûtée. Bref. Mais celle-là. C'est différent, être l'inter et la présence qui comprend tout. Fais tomber les armures, bien cassées. Celle-là, vous devez la connaître. Elle est beaucoup plus récente.
c'est Ozier, Take Me to Church. Suivante, on revient à mes années collège en fait. J'étais fan, je sais pas si j'étais fan du groupe ou de la chanteuse, j'étais fan de Gwen Stefani que vous devez connaître à part en fait, mais elle faisait partie du groupe No Doubt et It's My Life, c'était une de mes chansons favorites. Vous avez vu, j'adorais. Hein. Une nouvelle musique, alors là on part dans le récent, comme quoi j'écoute vraiment de tout. Vous la connaissez, c'est sûr, Ariana Grande, Into You. Continue, alors là c'est très très vieux, Manu Chao, King Kong 5. Je vais vous laisser juste apprécier. Ah, celle-là, elle est récente. Enfin, en tout cas, ici à La Réunion, elle est récente. C'est Deoro feat Elvis Crespo. Crespo. Baila. Despacito. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Alors là, je vous en mets une. Évidemment, j'écoute pas ça tous les jours. Mais j'aime bien. C'est uniquement une musique. Il n'y a pas de paroles, il n'y a rien. C'est la Zorba Dance. C'est une danse grecque, apparemment. Et donc, je vous laisse écouter. Moi, j'adore. Je trouve ça rigolo. Je sais, je suis complètement folle. Et donc la dernière, ça c'est vraiment ma chanson du moment. J'adore les musiques de ce style. Je suis juste... Enfin, je me demande pourquoi ça n'a pas été inventé avant. Et là, c'est Never Be Like You de Flume. Flume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais vous laisser ça dans une playlist que je vais appeler Shazam. Je vous laisserai à chaque fois les musiques dans cette playlist-là, histoire que vous puissiez en profiter et peut-être voir les clips, puisque je pense que vous les voyez pas très bien. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!